c'est bien beau de parler sur les réseaux, crier, brailler, prôner la vérité, mais en vrai de vrai. L'amitié homme-femme, pourquoi pour moi ça n'existe pas? J'ai pas dit que ça n'existe pas. On va dire que pour moi, t'as vu, un mec et une meuf, à la base des bases, c'est pas fait pour être ami. Donc déjà, de base, le que met de base, c'est plus fort que lui, chacun. Il voit un bullseye en esprit, vraiment, il est obligé d'y aller en mode charognard. Même si y en a qui ont l'art et la manière de faire. L'homme, c'est un charron, c'est plus fort que lui. Il a l'instinct animal. Il voit une proie, il attaque. Il attaque à la gorge direct. Parce qu'il a la dalle. Les mecs, ils ont la dalle. Ah, aussi, il y a des ractés, hein. Des grosses nymphomètes. Mais, l'homme, c'est plus fort que lui. C'est pour ça que toi, quand tu crois que c'est ton pote, en vrai, lui, tu sais pas ce qu'il a dans sa tête. Je sais pas si tu me suis. Alors qu'une femme, même si elle a la dalle, elle est plus subtile. T'as capté ou pas? Si elle te connaît pas, elle va jamais te dire des choses en pleine tête, chacal. Elle va passer par A plus B. Elle va prendre la manière, là, le violoncelle, la flûte, tout ça, pour te raconter des histoires. Pour au final te dire qu'en vrai, elle a la dalle. Elle a les crocs, la narvali. Qu'elle veut boire ton sang, narvalo. Mais vous, vous avez pas compris, en fait. Donc, l'amitié homme-femme 2020, pour moi, ça existe pas. À part si c'était gars sûr. Des mecs avec qui t'as grandi eux-mêmes, t'es pas sûr de ce qu'ils ont derrière la cervelle. Donc, arrêtez de croire. Non, mais c'est juste un pote. C'est pas juste un pote. Crois-moi. Copain, copine, quand je peux, je te pine. Oubliez jamais cette phrase. Faites attention, préservez-vous et surveillez vos rétroviseurs, les moulins.